va. Voilà. Du coup, on va rentrer dans le cénote. C'est par là. Non, autre. L'autre côté. Sinon, c'est pas drôle. La vache. C'est pentu. Tiens-toi un peu, parce que... Ouais. Ah oui. Ah ouais, il y a le truc là. Incroyable. C'est un délire. C'est incroyable. De lumière. Ouais, il y a juste pas le faisceau de lumière, mais sinon c'est trop trop beau. Mais je pense que c'est en fonction de la journée, ouais, en fait. C'est ça. Il doit apparaître. Je vais vous montrer, je vais essayer de vous montrer, parce que du coup il fait un peu sombre. Sympathique. Ouais. C'est trop beau. Ouais. Bon, et bien verdict. Qu'est-ce que t'en as pensé? C'est incroyable, magnifique. Incroyable. Ouais, alors, c'est un lieu qui est très instagrammable, du coup. Si jamais vous y allez, je vous préviens. Il y a tout qui est mis en place pour... Je vais vous faire un réel, d'ailleurs, sur ça. Mais sinon, c'est un lieu qui est hyper apaisant. Je sais pas comment expliquer. Il y avait grave des bonnes énergies dans ce lieu. J'avais envie d'y rester un milliard d'années. Enfin, j'avais vraiment envie de me poser à l'opposé de là où il y avait tous les gens sur un rocher. Je sais pas, j'avais trop envie de rester. Regardez ce festin. Hyper bon. Bibi a fait comme moi, sinon c'est pas drôle. Et il y a de la concu avec le cappuccino. Bibi, dis-le, c'est toi qui l'as fait. Bon, et bien, on est bien arrivé. Encore une fois, on a un lit à baldaquin. Oui, à baldaquin. Et la petite salle de bain. On est dans une petite hutte. Je sais pas comment ça s'appelle. Ouais. Et hop, la salle de bain. Bon, avec Bibi, on est bien. On est pas mal là. Regardez notre festin burrata classique. Des frites, pour pas être dépaysé. Et le ceviche de Bibi. Oui. Miam, miam, miam.